Mesdames, Messieurs, chers amis du cinéma, bienvenue à cette soirée mobilière. Bienvenue à Vision du réel. La situation exceptionnelle, festival et soirée exceptionnelle. Voilà plus d'une année que la situation sanitaire remet tout en question. En ces temps difficiles, la réponse de Vision du réel est une réponse positive. L'équipe a œuvré avec entrain afin de maintenir son festival. Bravo! Notre CEO, Michel Rodoni et moi-même, aurions bien sûr préféré vous accueillir personnellement à Nyon pour votre soirée mobilière. Nous espérons toutefois que cette soirée, sous une forme différente, que nous avons cocotée spécialement pour vous, vous permettra de vous divertir. Bonsoir à vous tous, chers amis du Réel. C'est un plaisir de vous accueillir à cette soirée mobilière, où je devrais plutôt vous remercier de nous accueillir chez vous, puisque cette soirée mobilière est inhabituelle. C'est nous qui venons chez vous. Le cinéma s'invite chez vous, quand vous voulez et en toute sécurité. Ces derniers temps, nous nous sommes rendus compte à quel point le cinéma nous manque. Entrer dans une vraie salle de cinéma, se laisser envahir par la force des images, s'identifier à des personnages, avoir peur ou passer du rire aux larmes. Bref, toutes ces émotions que l'on ressent au cinéma nous manquent. Nous espérons que cela sera bientôt à nouveau possible. Jean-Luc Godard a dit « Le cinéma, comme la peinture, montre l'invisible ». Ce cinéaste, qui a d'ailleurs résidé à Nyon, a bien raison. Vision du réel remplit justement cette mission. Le festival s'attache à rendre visible l'invisible. Grâce à ses documentaires, il nous permet d'explorer les multiples facettes de la réalité. C'est l'une de ces facettes que nous allons découvrir ce soir. Émotion garantie. Je vous souhaite de passer un bon moment grâce à la magie du cinéma. Mesdames, Messieurs, nous avons choisi pour vous le film « Madame » de Stefan Riethauser, un cinéaste de la région. Ce documentaire ouvre le dialogue sur des questions d'identité et de société. Avec tendresse, il dresse le portrait d'un petit-fils et de sa grand-mère. Il incite à la curiosité. Le festival Vision du réel encourage également la curiosité. Au nom de la mobilière, je vous souhaite de passer un moment agréable en compagnie de Madame et de Stefan Riethauser. Vive le cinéma! Et bonne séance à vous! Bonjour Stéphane. Bonjour Émilie. Quel grand plaisir de te retrouver 2 ans après le lancement de Madame à Vision du Réel. Ça avait été un moment
hyper marquant, je pense, j'espère, autant pour toi que pour nous en tout cas certainement, vu l'écho qu'a eu le film tout de suite pendant le festival. Donc c'est vrai qu'on avait un peu envie de parler avec toi pour savoir ce qui s'est passé. Déjà, on a eu de la chance, cette édition-là avait été physique. Donc ce qui s'est peut-être passé au moment du lancement, et puis si tu as envie de parler aussi de ce qui s'est passé après avec le film dans les mois qui ont suivi le festival. D'abord, je tiens à te remercier, toi et toute l'équipe de Vision du Réel, d'avoir sélectionné mon film. Parce que pour moi, c'était comme une forme de reconnaissance de la part de ce grand festival. Et puis une forme d'accomplissement aussi. C'est un petit film que j'ai commencé tout seul dans mon coin avec des archives de famille. Puis voilà, j'ai eu le plaisir et l'honneur de pouvoir le présenter à la soirée de la RTS à Vision du Réel en compétition Burning Lights. Et je me souviendrai évidemment de ce moment toute ma vie. La salle était pleine à craquer. Je connaissais à peu près 300 personnes sur les 500 présentes. J'étais hyper ému. Il y avait toute ma famille, tous mes amis, la cinquantaine de personnes, pour certaines que je n'avais pas revues depuis l'école primaire, qui apparaissent dans le film aussi. Et puis l'accueil a été juste dithyrambique, quoi. Moi, j'étais pétri d'angoisse pendant toute la projection en disant « mais est-ce que ça va passer ?» Je sais pas comment, parce que personne ne l'avait vu. Et puis, c'était un triomphe, quoi. J'ose le dire. Mon père a reçu une standing ovation. C'était un lancement vraiment extraordinaire de ce film. Et tout de suite après, dans la foulée, pendant le festival, j'ai trouvé une agence de vente internationale. Trois femmes extraordinaires chez Light Docs qui sont tombées amoureuses du film et qui l'ont pris dans leur catalogue et qui ont commencé à faire un travail que j'avais déjà entamé, moi, pour le lancer en festival à l'international. Il y a eu la première internationale à Madrid, quelques semaines plus tard, au Festival international du documentaire là-bas. Et j'ai gagné le premier prix. C'est reparti direct en fanfare. Puis depuis, j'ai eu la chance de faire le tour du monde avec ce film. Donc, tout 2019 jusqu'en mars 2020, quand le Covid est apparu. On avait fait déjà plus de 30 festivals. J'ai présenté le film 80 fois sur scène. J'ai été à New York, à Montréal, à Buenos Aires, à Taïwan, à Rome, à Paris, et j'en passe. Voyager avec ma grand-mère et puis de présenter ce film dans des environnements culturels aussi différents et de voir qu'il avait un impact et que cette forme d'authenticité que j'ai essayé d'injecter dans le film, qu'elle avait un impact sur les gens. Il est sorti au cinéma, ce que j'imaginais pas non plus a priori, mais après l'accueil de Nyon, il y a une sortie en Suisse en automne 2019 qui a très bien marché aussi. Il y a des milliers de gens qui sont allés le voir en salle en Suisse. Il est sorti ensuite en Allemagne. Il devait sortir en France le 18 mars de l'année dernière. J'étais à Paris déjà en train de donner des interviews à la presse. Le gouvernement a décidé de fermer les cinémas et voilà, confinement, lockdown. Je suis rentré chez moi à Berlin où je suis toujours aujourd'hui. Et puis la tournée de Madame a été interrompue en plein milieu. Et j'avais des invitations encore à présenter le film à Tokyo, à Tel Aviv, à Cape Town, à Kiev, au Brésil, Et puis, c'était évidemment une immense frustration. Mais en même temps, le bonheur d'avoir pu déjà le présenter à Nyon et ensuite pendant une année complète. Après, j'avais d'autres projets dans ma besace. Ça m'a permis de pouvoir travailler sur les prochains projets, ce qui leur était impossible de faire, en fait. Ouais, c'est compliqué en voyage. Ça aurait été pas possible, ça aurait pas été possible, quoi. Mais bref, un accueil extraordinaire. Et je dois dire, notamment en Suisse, où on a fait, j'ai fait plus de 25 présentations en Suisse pour la sortie cinéma. Et on est allé dans des petites villes campagnardes aussi, avec à chaque fois des salles pleines, des gens qui pleuraient et des gens de toute génération qui venaient vers moi et qui me prenaient le bras en disant « Mais monsieur, vous m'avez fait pleurer, ou Stéphane, ou je peux te dire tu, ma grand-mère, ma vie, mon coming out, ma fille est lesbienne, etc. » On sentait un besoin de parler. Et ce que j'ai compris, c'est que ce film était un outil qui permettait d'ouvrir le dialogue sur des thématiques un petit peu taboues qui le sont encore aujourd'hui, à savoir simplement la sexualité, l'homosexualité, l'amour,
La discrimination dont sont toujours et encore victimes les femmes à travers l'histoire de ma grand-mère et moi, le rapport que j'avais aux femmes, que j'essayais d'expliquer un petit peu dans le film. Et voilà, j'ai eu des centaines et des centaines de témoignages directs, aussi par écrit, tout autour du monde, et ça continue à ce jour. Une fois que la crise sanitaire a éclaté, j'ai pu, malgré tout, présenter le film de manière digitale, donner aussi des présentations. Et c'est évidemment moins gratifiant que d'être sur une scène devant un écran de cinéma avec une salle remplie devant soi. Mais c'était quand même satisfaisant de pouvoir l'accompagner virtuellement en Afrique du Sud, au Brésil, en Israël ou ailleurs. C'est-à-dire qu'on a toujours la sensation que un festival, c'est bien, mais ce qui est important, c'est la sortie en salle. Évidemment, la sortie en salle est essentielle parce qu'elle permet de toucher d'autres types de publics, je pense. Après, c'est aussi cool, effectivement, de constater que à travers les festivals, tu peux toucher un spectre de public qui est hyper large, qui est quand même vraiment grand, avec, comme tu dis, des cultures différentes dans le monde entier. Donc, je trouve qu'il y a quand même aussi là quelque chose qui est hyper réjouissant par rapport au parcours qu'un film peut faire. Ce que je trouve aussi réjouissant, mais qui est aussi emblématique, je pense, de toi et de ce que nous, on fait d'une manière générale, c'est vraiment cette approche. En fait, je pense que pourquoi est-ce que le film touche les gens ? Parce que c'est un film qui est hyper sincère, qui est hyper honnête, qui est hyper courageux aussi, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais je pense vraiment que le fait que toi, tu te mettes à nu et que tu sois tellement, même honnête par rapport à la façon dont tu as évolué, parce qu'évidemment, on se rend compte dans le film qu'il y a vraiment des moments hyper différents dans ta perception des choses et tu le dis hyper clairement. Je pense que c'est quelque chose qui est hyper touchant pour tout le monde, parce qu'en fait, le fait que toi, tu sois dans cette mise à nu, ça, c'est inspirant, je pense, pour les autres. Donc moi, je ne suis pas étonnée que le film puisse convaincre tout le monde. Et je pense que c'est ça qui, nous a le plus touché, parce qu'on n'avait aucun doute sur les qualités artistiques du film. Mais après, c'est sûr que c'est un sujet qui peut forcément, potentiellement, cliver. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'il n'a pas du tout clivé. Au contraire, on a vu qu'on pouvait toucher, rien qu'à Vision du Réel, tout le monde. Effectivement, personne n'a résisté au film. Tout le monde s'est laissé emporter. Et je pense que les gens se sont vraiment laissés emporter par ta sincérité, ton honnêteté et ton talent cinématographique, évidemment. Ouais, merci encore, parce que la plateforme de Vision du Réel, c'est une grande plateforme internationale avec beaucoup de visibilité, donc évidemment ça a poussé le film. Tu lui as donné une place magnifique en compétition à la soirée RTS, donc ça a participé évidemment à tout ça. Après, c'est étonnant de voir qu'effectivement une forme de sincérité touche les gens, et je crois que le public a besoin de ça et de se retrouver dans des histoires qu'il connaît, qui lui parle et proche de son cœur, parce que c'est un film où moi j'ai mis mon cœur sur la table, j'ai exposé aussi ma famille, mes parents et mes amis, mon entourage dans ce film. C'était pas évident à faire, je naviguais toujours là sur un petit muret très étroit, j'avais peur de tomber d'un côté ou de l'autre en me disant, est-ce que je vais me faire des ennemis si je dis ça, est-ce que ça va prêter à conséquence. En fait, je n'ai pas eu une seule remarque négative. Je m'attendais à des critiques, et à la limite, on n'est pas contre des films clivants. Ce film, non, j'ai vu que c'était un film qui ouvrait le dialogue et puis qui rassemblait les gens. Et ça, c'est un cadeau extraordinaire quand le public vient vers toi en tant que cinéaste. Toi, tu as travaillé pendant des années un peu dans l'ombre, puis tout d'un coup, tu as l'occasion de partager ton film et puis que ça a une telle résonance. Moi, j'étais comblé, quoi. Au final, 2 ans après, on en est à plus de 50 festivals, 13 prix, dont une nomination au prix du cinéma suisse. Voilà ce qui engendre, tout comme la sélection à Vision du Réel d'ailleurs en compétition, des bonus aussi pour ma boîte de production, ce qui me permet de travailler plus aisément avec des moyens pour le prochain projet. Pour moi, c'est du bénéf et j'en serai éternellement reconnaissant à Vision du Réel et à toi en particulier. On était vraiment hyper contents de pouvoir offrir une maison au film. Je pense que c'est vraiment le but de Vision du Réel, de aussi représenter le lieu où les films suisses peuvent naître, peuvent être lancés. Tu vois, je pense que c'est vraiment le but d'un festival
tel que le nôtre. C'est vrai que pour nous, ce qui est essentiel dans le cinéma du réel, c'est de pouvoir accéder à une réalité à travers les yeux de quelqu'un. C'est-à-dire que on n'est pas du tout dans des démarches où on essaye de nous informer de façon exhaustive ou non sur une situation, mais vraiment dans une démarche où on est emmené par quelqu'un, comme c'est le cas avec toi, vers une réalité, que ce soit la sienne, donc celle du cinéaste ou de la cinéaste directement, ou une réalité un peu plus éloignée, mais toujours à travers cette médiation, à travers le regard de quelqu'un, à travers une urgence cinématographique et artistique. Je te remercie beaucoup, Stéphane, pour ça. Je te remercie aussi pour cette histoire qu'on partage désormais, qui est vraiment hyper importante et précieuse pour nous aussi, et qui, voilà, qui va rester de toute façon marquée dans nos mémoires à tous. Merci beaucoup, Émilie. C'est un plaisir. À bientôt.